Yoyé, gentes demoiselles et demoiseaux de YouTube. On se retrouve sur la chaîne de la plume à la voix pour parler de Perceval. Savez-vous qui est-ce? On va vous le faire découvrir avec mon ami Enzo. On a organisé une battle. La question est, Perceval est-il une œuvre actuelle? Selon moi, Perceval est une œuvre actuelle car beaucoup de films se tournent vers un côté chevaleresque et médiéval que l'on retrouve dans le livre. Centurion, la série Reign et le succès énorme de la comédie musicale Robin des Bois. Certes, dans les films et séries, il y a un côté chevaleresque, mais aussi un côté fantastique, avec des dragons et des fées. Et puis des vrais combats de chevaliers, avec des centaines, voire des milliers de chevaliers qui sont là. Bien au contraire, il n'y a peut-être plus de chevaliers du Moyen-Âge, mais des chevaliers du temps moderne, les policiers, les CRS, qui sont là pour nous défendre et assurer notre sécurité. Mais tu es fou de comparer des chevaliers forts avec épée à des gens certes courageux. Mais il y avait quoi, 1000 chevaliers dans un royaume, maintenant il y a 400 policiers en France. Oui, mais il y a peut-être... Mais le personnage Perceval a été repris à la télévision sur M6, ce qui prouve que Perceval est complètement dans l'air du temps. Oui, mais dans Kaamelott, car je pense que tu veux parler de cette série, il est très bête, alors que dans le livre, il est juste naïf, et à la fin, il devient plus intelligent. Malheureusement, mon ami, je pense que je vais gagner. Non, c'est moi qui ai gagné. Toujours moi qui gagne. Donc, gentes demoiselles et demoiselles, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. À la prochaine.